Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, sur un épisode de Robocraft avec un nouveau robot que j'ai construit en off, hein. Je sais pas du tout s'il va être fonctionnel. Oh, il vole! Putain, il vole! Génial! Donc je sais pas du tout s'il va être fonctionnel, en tout cas on va voir, on verra bien, hein. Moi je suis curieux de voir ce qu'il peut donner tout simplement, hein. Donc vous pouvez voir que j'ai récupéré le méga plasma, le méga bomber, hein, qu'on va appeler, plus deux lance-roquettes. Histoire de voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Hop. Bah alors. Qu'est-ce que... Quel drôle de mouvement celui-là. Hop. Oh pardon. Pardon. Ah, quel dommage. Donc j'ai trop d'hélium à l'arrière, j'avais mis de l'hélium au cas où. Et j'en ai un petit peu trop en fait, chers amis, tout simplement. Ce qui fait qu'il... voyez, l'hélium en fait le soulève, malgré tout l'armement. Hein. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Hop. Oh dommage, je l'ai perdu. Quel dommage. Bon, on continue. On est plus ou moins efficace. Il est assez solide, hein. Je l'avais fait pour que ça tombe qui à la base. Résultat, il l'est. Pensez à spotter les ennemis. Oh, je le vois pas, hein. Lui par contre je le vois. Ok, aïe. Ah oui, je suis désolé pour mes textos. Risque d'y en avoir quelques-uns, malheureusement. Risque d'y en avoir quelques-uns, tout simplement parce que j'ai des gros problèmes de câbles. Et il n'y a aucune connotation sexuelle, chers amis, je le précise. Ok. Ah, c'est saoulant qui monte tout le temps. Oh. Hop. Quoi? Comment a-t-il pu tout esquiver? Et comment a-t-il pu me faire autant de dégâts avec ce genre d'armement? C'est débile. Pourquoi pas? Donc l'hélium à enlever, chers amis, en tout cas à réduire. Ça tombe bien, j'avais besoin de flops supplémentaires. T'es pas sérieux, tu peux pas me faire autant de dégâts comme ça. Il est hors de portée, t'es sérieux? Qu'est-ce qui arrive à mon robot? C'est débile. Oh. Bon. Ok. Feu. Ok, j'en ai eu bien. Ah, ils sont juste à côté. Pensez-vous qu'ils vont faire quelque chose? Non. On a une équipe d'intervention rapide, mais... de là à ce qu'elle soit efficace au combat rapproché pour couvrir ses alliés, non. Après, en même temps, c'est une équipe qui... Enfin, il joue en équipe à 3. Donc, techniquement, on ne devrait pas avoir à se plaindre. Hop, les. Ça te tue pas, mon pote? Peut-être pas exagérer sur la quantité de dégâts que font ces petites saloperies. Hop. On se remet dans le bon sens, je vous rappelle que ça nous permet de nous remettre dans le bon sens pour le décollage, qui est toujours une bonne chose. Hop. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi en ce moment j'ai une grosse migraine qui dure depuis 2 jours. Je sais que ça fait un petit peu la fille qui veut pas coucher, je suis désolé, hein, mais malheureusement je ne peux vraiment pas dire que c'est la grande forme.
Ok. Alors je sais bien que j'ai pris le bomber qui sert strictement à rien parce que je ne pète pas les tours actuellement. Mais c'est vrai que niveau tour, j'ai déjà du mal à m'approcher en fait. Alors, quelques secondes supplémentaires nous feraient... Enfin, en moins justement. Ne serait pas de refus, mais bon, c'est comme ça. On a vraiment aucune raison de se plaindre, on a une très bonne équipe. Faut juste que je règle ce problème de... Ok. J'ai plus d'équipement. Si j'ai encore mon arme. D'accord, bah j'ai explosé en plein vol, littéralement. Ok, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça c'est efficace hein. Il y en a beaucoup des comme ça. Et il a mis, en plus il a mis des rudders pour être sûr de pouvoir gérer une accélération. Ce qui est complètement malin. J'y pense rarement et je l'avoue, et c'est une erreur de ma part. Ah il me saoule celui-là. Si personne le bute, ça va être catastrophique. Je vais essayer de venir par là. On verra bien. Hop, il est pas extrêmement rapide, hein, je reconnais. Mais il est suréquipé, littéralement surarmé. Et il monte tout le temps, ce qui fait qu'en fait en descente il est très très lent. Hop. Oh oui, non je l'ai pas eu. Hop, régène pas. Hop. Hop. Your bottom fusion tower is under attack. Hop. Voilà. Oh, quel dommage. Là, il faut fuir, chers amis. Et vous voyez, pour ce qui est de la fuite, il est un petit peu timide. Hop, j'essaie d'avoir lui avant. Parce que c'est lui qui a l'équipement chiatique. Dommage, je l'aurais pas. Quel dommage. C'est véritablement dommage. J'aurais bien aimé l'avoir, c'est lui qui m'a fait le plus de dégâts. Oh, il est joli son petit machin lui, non? Eh, il est sympa. Ah, c'est con, à quelques secondes près, le bouclier d'ennemi avait disparu. C'est véritablement dommage. Bon, bah il est efficace ce robot, hormis quelques petits détails à gérer, bien sûr. Au fur et à mesure de son parcours entre guillemets hein. Mais ouais non il y a du boulot et ça va se passer plutôt bien. Ah il me saoule lui. Ah il m'a déjà pété mon truc. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ouais, de toute façon on s'est pris un repop dans le nez, je pense. Je pense qu'on s'est pris un repop. Par contre ça oui c'est d'une beauté. C'est une idée, hein. C'est littéralement une idée. A vrai dire, j'avais l'intention de mettre ça, mais je n'ai pas encore les crédits pour en acheter deux. Et donc de mettre un bomber, comme j'ai mis en dessous, là sur le Turtles. Mais bon, en soi, le fait qu'il grimpe tout le temps, ou à peu près tout le temps, n'est pas une mauvaise chose. Hop, génial. Ils l'ont correctement géré. Alors j'ose pas trop m'approcher parce que si l'autre me voit. Alors j'ai gaspillé la moitié de mes trucs. Vous voyez il tourne. Il fait des trucs bizarres parfois hein. Alors le fait est qu'il tourne pas. Vous voyez là je le fais tourner en fait. Donc il faudra peut-être que je rajoute 2-3 boosters en moins. En contrepartie d'enlever les comment les l'hélium. Les fameux blocs d'hélium. Hop. Est-ce que je vais avoir le temps? Non, je vais pas avoir le temps. Dommage. Allez, viens me voir.
Viens me voir, j'ai de quoi te renvoyer la balle. Hop. Hop. Ah, c'est trop solide comme armement. C'est beaucoup trop solide son armement, c'est vraiment saoulant. 100 000 points de vie, 109 000 points de vie de mémoire, hein, si je me trompe pas, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ça, c'est moche. Ça vole certes, mais je comprends pas l'utilité, hein, ça doit pas être fragile. Ça doit être extrêmement fragile plutôt. Justement. Ok. Oh, ça touche pas! Ça touchait pas! Oh, puis ça lui fait à peine des dégâts! Regardez ça! Il est solide son machin! Oh! On y retourne! Alors. On va essayer de faire ça bien. On va réfléchir à ce que je pourrais améliorer sur ce robot. J'ai hésité en fait pendant un temps à y placer des commandes. À y placer des trucs autoguidés, à vrai dire. Dommage. Oh! Cassez-vous! Hop, touché. Non, pas lui. Ah, j'ai pas eu le temps de tirer. Le temps qui tourne, en fait, j'ai tiré dans le sol. C'est véritablement dommage. Ça s'est joué à rien, littéralement. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Ils sont jolis, leurs trucs, hein, quand même. Ils sont jolis. Même sur le principe, j'aime pas trop le fait que tous les cubes de déplacement soient sur un bras, vous savez. Oh, je viens de repop. Respecte-moi un minimum. Non? Tu dis que j'en méritais pas le coup, c'est ça? J'en vaux pas la peine? Bon, on y retourne! On y retourne! On va bien voir, on peut y arriver cette fois-ci! En tout cas, un épisode qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Hop, sans lock, balleur. Ouais, donc il y a un gros problème avec l'hélium, il faudra que je rajoute des propulseurs pour pouvoir le faire pivoter en fait, tout simplement. Bon, ça va se faire assez simplement. Hein. Oui, je sais, j'ai gaspillé mes premiers tirs. Ok. Ok, c'est pas grave. Ok. Oh non, il y en a un autre derrière. Quoi? Ah, il est là. Ah, le sac. Oui. Oh non. Il y a un tir qui est passé. Il y a un tir qui est passé. J'y croyais, chers amis. J'y croyais de tout mon cœur. Merde. Oh, il est petit son machin, lui, derrière. Le mec qui me suivait. Regardez. Ah non, il fait pas. Ah, je croyais qu'il faisait beaucoup plus petit, c'est marrant. On y retourne. Hop. On y retourne. De toute façon, c'est gagné, hein. Littéralement, c'est gagné. C'est juste par contre une très très belle bataille. Une très très belle bataille. Hop, il va plonger. Ah, il me saoule celui-là avec son double truc. Hop.
Je vais essayer de... de me remettre droit. Hop. Oui, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon, parfait. Non, pas encore. Ah la vache, il y a lui qui revient. Ah, j'ai pas eu le temps. Si, une roquette. Ah la vache, ça lui fait rien. Ça lui fait rien. Regardez ça. Il est censé être mort. Mais non. Non, peut-être pas censé être mort quand même, faut pas exagérer non plus. Mais bon. Allez, repasse sur l'arme normale. Ok. Vous me saoulez! Bonjour. Comment allez-vous? J'étais chez vous? Non, c'est faux, je m'intrus. Je ne rentre jamais par intrusion. Ouais, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Chez les gens, c'est faux. Enfin, ça m'arrive, mais femme. C'est pour vos mamans. Oh, on avait dit pas les mamans. Mon dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour vos tatas. Ou pour votre tonton, des fois ça dépend. Touché, coulé. Non, pas toi. Il est trop lent, il est trop lent, il est trop lent. C'est bon. Hop, et remonte, Simone. Oui, c'est bon. Il a fallu contact. Il a fallu contact pour qu'il puisse se dire qu'il pouvait remonter. Ah, on va pas y arriver. Je vais rester à cette hauteur et aller choper la tour. Aïe. Je vais pas arriver à rester à cette hauteur, donc je vais pas choper la tour. Désolé. Je suis désolé, je me suis crashé. Désolé. Ah, c'est, oh, c'est gentil. Ah. Oh. Oh. Thanks. Ouais. Ah, oh, c'est gentil. Non, non, c'était super gentil de sa part. Je me suis crashé littéralement sur lui, je l'ai empêché de se remettre droit et... Ah non, pas encore. Ok. Ok, c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens, si c'est pas magique ça, chers amis. Ah, il me saoule celui-là. Ah, ils l'ont eu, GG. GG. Ok, bah Team Victory, bah écoutez chers amis, bravo, hein, bravo à eux. On n'est pas dans les premiers, clairement, hein. Ouais, on est même assez mauvais, soyons honnêtes. Bien qu'on ait fait quand même 9 kills et 14 assists, on est mauvais parce que comme l'a dit certains dans le chat, vous pouvez le voir, tout le monde avait des anti-air. We are in maintenance. Ah bah d'accord. Ok. Bon bah salut les gens, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, merci pour le Steam.